Et peut-être qu'on va pouvoir finir. Comment je l'avais fait là? Ah oui, si. Tout simplement comme ça. Fait comme ça. C'est un petit peu du cheat, mais ça passe. C'est pas mal. Non.
Ah, d'accord. C'était sûr. 3 sur 5 bracelets. 3 sur 5 bracelets, bot 3 sur 5. Et si j'améliore tout l'équipement en principe, qu'est-ce que j'ai ? Les ennemis peuvent laisser tomber des gouttes irisées. Je le mets ça. C'est bizarre. Ah, il y a une salle cachée. Si je faisais en plus ça. Ça.
ça marche pas. Oula, ça lui a fait tellement mal. Quand même. D'accord, c'est un truc que j'étais obligé de faire quoi. J'ai tout eu. Hop, dommage. On est ravivé. Le manoir.
D'accord. Ok, on peut sauter. Pas sauter beaucoup, mais on peut.
plaindre. J'ai vu un truc, ça va. Thank you.
Le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais lui, il va être tellement casse-pied. Oh, me dites pas qu'il va me tuer. Bah si. Est-ce que je me souviens des partitions maintenant? Thank you.
fortune. Comment faire ? Comme ça. Alors... Thank you.
m'a l'air d'être grand et surtout ça m'a l'air d'être nain. Ce niveau. Bouclier miroir. Jojo par 5? Ben non. Hello, Jean-Louis. Easy énigme. Ou pas. Mais maintenant, j'ai le dragon. Comment va? Comment allez-vous? Ça y est, FF14 m'a saoulé, je cherche un vrai jeu. Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé avec FF? Ça
Ça va. Dis-moi tout, que s'est-il passé avec FF14? Tu es là. Tout fait, tout vu. Ouais mec, t'as déjà testé un clavier Beppo? Non, je n'ai jamais testé de clavier Dvorak Beppo. Mais il paraît que c'est vachement bien. Il paraît que niveau mince. Comment dire ça? Niveau utilisation des touches, c'est mieux. Ah, le poison, fuck. Et il fallait aller jusque là. Parce que 6 doigts, le problème c'est 4 moulantes, j'utilise que 6 doigts, pas 10. Du coup, c'est la merde, bah ouais. Et puis moi je touche pas, mais j'avais pas eu une armure qui est... Bah voilà. J'ai une armure, immunité poison normalement. Voilà. Avec ça, easy peasy, Cyprien et Squeezie. Qu'est-ce que c'est ça, tiens? Ça sert à rien de garder, vaut mieux que je remette le stuff, ce stuff là. Nice. C'est pas trop mal comme arme ça, enfin, comme monstre quoi ça, comme comment qu'on pourrait appeler ça, possession. Mastune. Oh.
On va aller chercher le coffre que j'ai loupé. Et en fait, pourquoi ça me gêne ça? Est-ce qu'avec l'épée de glace, je pourrais pas faire un truc comme ça? Cherche le coffre là-haut. Grenouille. D'accord, c'était un coffre qui servait totalement à rien. Parce que c'était juste pour avoir une popo. Et des popos, j'en avais déjà une. Un truc là-haut. Ah. Ouais, non, il faut juste aller là-haut pour prendre la bouboule. Et après, réussir à casser ces deux pierres-là. Ah, je peux prendre possession du télescope par contre. Ça, j'ai bien envie de tester. Parce qu'il y a peut-être un truc avec à faire avec le télescope. Ici. D'accord. C'est quoi en fait? C'est toutes les lentilles qu'il faudrait mettre? Ah, je peux plus faire de double saut. Ah si. Lentille à limite, cette lentille à... Ouais, on a toutes les lentilles. On a l'air d'y être là. Ah, mais il y a peut-être un autre... Il peut y avoir un autre truc à activer. Je vais pas dû le faire dans l'ordre, ça.
trop lent. Mince alors, comment que je fais pour péter ce truc là? Ah si, je saute là et ok. Pas possible ça. Ah bah voilà. Ok, bon. Je suis arrivé quelque part, je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas si c'est normal. Dix-neuf, d'accord.
Tadam! Je fais nappe! Et je trouve les solutions. Qu'est-ce qu'il fait lui, déjà comme fantôme? Qu'est-ce qu'on va avoir ici là-dedans? Qu'est-ce que tu fais là, Pélo Pélo? Pépé logo. Peut balancer des lasers.
Oh. Voilà. Le coffre. Prendre le bouclier, celui-ci. Je suis persuadé qu'il y a moyen de... Oh, je l'avais pas vu son tableau. Si je passe par là, ça devrait le faire. Ça va juste à ça. Bon. Super long ce donjon. Point.
comme ça. Ça y va. Tout doucement, mais ça y va. Chite les énigmes, chite les énigmes. Derp mode engaged. Shimata. Thank you.
con. D'accord. Le télescope, j'ai pas compris. Thank you.
D'accord. Bah ouais. Oh, d'accord. C'est ça en fait, le ding ding ding, c'est... Transforme-toi en dragon en fait. Oh mais genre, je le touche, ça me tue, quoi. C'est pas que ça me tue, c'est que ça me stun et ça me balance dans le vide. Ça c'est pareil, ça c'est complètement débile. C'est débile. Genre ça quoi, il me touche une fois, je tombe. Ça a pas de sens. Thank you.
Bien ça. Voilà, fini et feu infini surtout. Oh punaise! Fallait prendre le lion et fallait foncer dedans, mais j'ai pas eu le temps. Foutez de moi. Thank you.
ils peuvent laisser tomber machin, mais j'en ai vu aucune. Ouais, pas super utile. Ça peut pas être un truc comme ça ici? Ah si, là-haut. Thank you.
aussi simple que ça. C'est bizarre, c'est que le trou ça rend que je suis pas allé dedans quoi. Ça a l'air de venir là-haut, quoi. Pourquoi ça sert ce truc? Non, c'est pour genre choper la lumière de la nuit, mais...
Ok. C'est pour ça quoi. La masse que j'ai pas. Là j'ai plus trop besoin de cet équipement là. J'ai plus besoin de ça. J'ai le dragon donc je peux tirer des flammes infinies donc j'ai plus besoin de ça non plus. Thank you.
On va aller augmenter ces machins-là. Quoique. Faudra clean là. Bizarre parce qu'on dirait vraiment que je passe là-bas quoi.
que c'est le même code tout le temps? C'est bon. 4. Six, sept, c'est quoi ce truc? Je sais pas, ce bouclier renvoie des rayons de lumière. Thank you.
M'explique pas pourquoi je peux pas rentrer dans ce trou là. Allez, on peut se goûter. Je dois être quasiment à la fin. Ouais, je suis à 85%.